Dans le proverbe, nous commençons à gagner la carte à ma cesse. Au chapitre 18, au temps dans le chapitre, Zomi na Mwambe, ma komi a tout comme balé na mi balé. Celui qui a trouvé une femme a trouvé une bonne chose. Yo yo, azui moi si, nde azui penza bolamu monene. Il a obtenu faveur aux yeux de l'Éternel. Azui nde bongo bolamu na miso a Yahweh. Proverbe 19, verset 14. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses. Mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Prions. Seigneur Dieu. C'est ta parole. Oui, Zali Lobanayo. Nous pouvons la lire comme tout homme. Tokoko Tangango Lokola Motonyonso. Qui est allé à l'école. Oui, Akala Akenda Kelas. Peut le faire. Kokiko Salaboui. Mais quand il s'agit de donner la vie. Mais ce qui est allé, les Cambri, tu as fait sa bombe. Seigneur. Kolo. Nous avons besoin de ton esprit. Nous allons apporter les salis à Mouli Monadio. Oui, la bouche qui va parler. Accorde l'inspiration. Aide aussi l'interprète. Circoncis aussi le cœur. Afin que la parole ouente. Qui est le Messie? Soit la semence dans le cœur. Si en ce lieu, Seigneur, il y a des esprits contraires à ta révélation, nous les déclarons impuissants dans le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ. Fortifie chaque cœur. Laisse qu'en sortant d'ici, nous soyons remplis de toi. Et que tous ceux qui en étaient, Seigneur, et que nous sommes à la kikolo, nettoie-nous avec ton sang, qui est la parole de l'homme. Dans le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ, la parole fait chair, le message de l'homme. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bonsoir mes amis. C'est un privilège pour moi d'être encore à nouveau ici à l'église. Afin que nous puissions communier avec lui et l'adorer. Parce que c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. C'est pour la communion. Et l'adoration. La communion et la rédemption. Qui s'accomplit par l'adoration. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Pour parler de lui. De son grand plan.
dans lequel il s'est dévoilé en nous en ces derniers jours. Oye, ami moni si na biso na tangwa mikola suko. Amen. Le mercredi, nous avons parlé du choix d'une épouse. Mokola mercredi, tout le baki na tina kopona moi si alibala. Nous avons vu que le prophète nous a dit. Tomonaki mosakuri koloba na biso boye. Que lorsque nous choisissons une compagne pour la vie, c'est une responsabilité. C'est la même chose pour Christ. Lorsqu'il nous choisit comme étant son épouse, le choix d'une épouse concerne Jésus-Christ avec notre âme. Dans la prédication de l'unité, prêché à Jeffersonville, Indiana, le 11 février 1962, au paragraphe 18, le prophète dit ceci. Et ce sont les seules bases de la communion que Dieu ait jamais posées pour lui-même et son Église. Son unité dans le peuple. Ce sont là les seules bases de la communion. Et l'unique moyen que vous puissiez les avoir, c'est par une union. Denge moko pona ngupoto oswa yangu ezalinde na bozali moko. Être uni avec lui pour toujours. Bozala moko na ye, libela na libela. Juste comme lorsque vous unissez à votre mari ou à la femme. Kaka ndenge penzo osangana kana mobali na yo to na mwasi na yo. La femme à son mari. Mwasi na mobali na ye. C'est un vœu valable jusqu'à la mort. Izalinda ipenza ezana talo kino liwa. Alors lorsque vous êtes unis à Dieu, et tango osangani na nsambe, c'est de même avec l'Église unie à Christ. Izalipendenge moko eglise akosangana na Christo. C'est là jusqu'à ce que la mort nous sépare. Yango kino ete liwa penza likabola biso. Si vous ne péchez plus, soko kosumuka lisi. Alors si vous ne faites plus quoi que ce soit. Vous serez unis éternellement à Dieu. Et seule la mort peut vous éloigner de Dieu. Non pas la mort physique, mais la mort du péché. Le péché, c'est la mort. Ça vous éloigne de Dieu. Ainsi, être unis avec lui dans l'esprit, de sa puissance, c'est la vie éternelle. Vous êtes unis éternellement à Dieu. Oh, j'aimerais arriver à cela après un moment. Unis éternellement à l'éternel Dieu. Une parfaite harmonie avec lui. Une parfaite union. L'Église entière. Dieu et son Église sont un. Sont unis. Amen. Le prophète parle ici de l'union entre notre âme et la parole. De même qu'un chrétien cherche dans une femme un caractère, mais nous sommes ici comme Eliezer pour chercher une épouse de caractère pour Christ. Voyez-vous, pour chercher une femme pour Christ. Alors, pour qu'il y ait un mariage, lorsque Dieu vous a choisi, pour que vous soyez unis à lui, vous devez procéder par les vœux. Parce que ce que le prophète dit, dans le choix d'une épouse, à la page 8, il dit ceci. Maintenant, c'est une chose sérieuse lorsque vous allez choisir une femme.
femmes. Maintenant, c'est une chose sérieuse lorsque vous allez choisir une femme. Un homme, quand le vœu qui vous lit, c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. C'est la raison pour laquelle nous devrions les observer. Et vous prenez devant Dieu ce vœu. Je crois que nous devrions. Un homme qui, dans sa pensée, préconise se marier, devait choisir cette femme avec beaucoup de prudence. Devait choisir cette femme avec beaucoup de prudence. Vous devriez prêtez beaucoup d'attention à ce que vous faites. Ainsi, pour une femme qui choisit un homme ou qui accepte le choix d'un homme, devait être très prudente à ce qu'elle fait. Et plus particulièrement en ces jours, un homme devrait penser et prier avant de choisir une femme. Car le vœu le lit. Il continue. Et si nous pouvions étudier ce que nous devions faire au moment de se marier, lorsque nous choisissons notre femme ou notre mari, si nous pouvons étudier cela, un homme devait prier sérieusement. Vous l'écoutez? Je ne sais pas si vous suivez. Je crois que c'est Dieu qui est en train de parler. Hein? Il est descendu des corridors des cieux. Il est rentré dans une chair humaine pour parler aux humains. Et si nous pouvons étudier ce que nous devions faire au moment de se marier, lorsque nous choisissons notre femme ou notre mari, si nous pouvons étudier cela, un homme devait prier sérieusement. Un homme devait prier sérieusement de peur que sa vie entière ne soit ruinée. Un homme devait prier sérieusement de peur que sa vie entière ne soit ruinée. Je répète la citation après que ça entre profondément. Alors lorsque vous allez faire votre choix, moi je dirai devant le Seigneur, Seigneur, je leur ai annoncé tout ton programme, c'est à eux de le mettre. Et si nous pouvons étudier ce que nous devrions faire au moment de se marier, lorsque nous choisissons notre femme ou notre mari, si nous pouvons étudier cela, un homme devait prier sérieusement de peur que sa vie entière ne soit ruiné. De peur que sa vie entière ne soit ruinée. Un homme devait prier sérieusement. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. C'est pour ça que nous avons vu que les mariages que nous avons faits en Égypte, c'est vraiment Ikabot. On a présenté Ali et Zangi Kembo ensemble. Qui peut dire amen?
Parce qu'il faut que la nouvelle Sarah puisse naître. Et pour être bon, Sarah, si kabotama. Celle-là est jeune. Oh, on a saliné notre langue. Souvenez-vous. Il va comme à l'amour. Que le vœu est que. Et un dernier il va le saluer. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Qui nous a tel il voit les cabolabissos. Là, j'essaie un peu d'anticiper. Ah, on est là, on met qu'à colobango, les bossos à tango. Mais nous, ils reviendront lorsque nous verrons que c'est qu'un vœu. Des tokozong, la gotango, tokomona, ni nous en andaï à l'ibal. Il peut ruiner sa vie. A coco, baby, c'est bon, moi, il n'a yé. En faisant un mauvais choix. Un homme peut ruiner sa vie en faisant un mauvais choix. Une femme peut ruiner sa vie en faisant un mauvais choix. Cependant, s'il sait que, 3 points, qu'il fait un mauvais choix, en épousant une femme qui ne mérite pas d'être sa femme, malgré ça, il le fait quand même, ou vice versa, et alors c'est sa faute. Si la femme accepte un mari qu'elle sait n'est pas être digne d'être son mari. En ce moment-là, c'est votre propre faute. Après que vous ayez pris connaissance du bien et du mal, ainsi vous ne devriez pas faire ça jusqu'à ce que vous ayez sérieusement prier à ce sujet. Sérieusement prier là-dessus. Voyez comment le prophète insiste sur la prière. Lorsque Élisée est parti pour faire son choix, il était à genoux. Il lui dit, Seigneur. Et lorsqu'il a ouvert les yeux, alors il a vu la femme. Et Élisée a cherché la femme à genoux et les yeux fermés. Mais nous les cherchons debout. Mais et nous en train de prier. Alors, de voir dans chaque coin de rue. Ou dans chaque banc. Je vois que c'est celle-là où c'est celui. Je sais que l'homme, si tu fais ainsi, ce n'est pas le plan du Seigneur. Frère Manel, il dit, on devrait demander. Seigneur, même si vous l'aimez, il dit, Seigneur, est-ce que c'est votre plan? Ou c'est moi-même? Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Au paragraphe 25 du choix d'une épouse. Il existe également un choix à faire dans notre vie. C'est celui concernant notre compagne ou notre compagnon ou notre compagne de la vie. Le jeune homme ou la jeune fille qui s'engage dans la vie a le droit de faire un choix. Le jeune homme choisi et la jeune fille a le droit de l'accepter ou de le rejeter. C'est pas la femme qui fait le choix. Là, ça sera une perversion. Je ne sais pas si ça rentre. Hein?
Le jeune homme choisit la jeune fille. Et la jeune fille a le droit de l'accepter ou de le rejeter. Son problème. Elle fait dit, sœur, je vais t'épouser. Frère, alobe tes sœurs, na lingina bala yo. Si tu ne l'aimes pas, so ki olingi ete. Ne pense pas. Ne dis pas, oh non, je vais aller encore prier. Si il n'y a pas l'amour, je ne sers pas. Je ne sers pas si vous êtes avec moi. C'est lorsque vous l'aimez, et lingie, alors à ce moment-là, anna, allez-y prier. Kenda et voir que vous, mon cœur est d'accord. Est-ce que Dieu dans le ciel est d'accord? Parce que dans aller au-delà du camp, au paragraphe 13, le prophète dit, quelquefois la volonté du Seigneur est contraire à nos désirs. Mais étant que quand nous voulons la volonté du Seigneur. Il y a toujours un choix à faire des deux côtés. Voyez-vous? Bien que la femme ne choisit pas, mais il y a toujours un choix à faire. Parce qu'elle peut accepter ou refuser. Et l'homme et la femme ont le droit de faire un choix. Voyez-vous? L'autre fait un choix de retour. Et l'autre fait le premier pas. C'est un acte très sérieux, mes frères. C'est un acte très sérieux, mes frères. Le choix d'un époux ou d'une épouse. Quand le vœu que nous avons pris devant Dieu, nous lit jusqu'à la mort de l'un ou de l'autre. C'est pourquoi nous devons garder ce vœu. La mort seulement nous libère à ce vœu que nous choisissons. Et je pense que nous devrions en trois points. Un homme ayant tout son bon sens, qui peut choisir une future épouse, devrait le faire avec le plus grand soin. Faites-le avec soin. Et une femme qui choisit un mari, ou achète le choix d'un homme, devrait le faire avec le plus grand soin, surtout en ces jours. Un homme, avant de choisir sa femme, doit réfléchir et prier à ce sujet. Dites amen. Amen. Il y a tellement tant de divorces dans le monde actuel. Nous croyons être une nation chrétienne. Et pourtant nous sommes en tête. En Amérique, et dans le monde entier, en ce qui concerne les cas de divorce, quel est le poste pour tous ces tribunaux de divorce? Je pense que la raison de cela réside dans le fait que cet homme s'est éloigné de Dieu. Et ces femmes sont éloignées de Dieu. Et nous trouvons que si cet homme ou cette femme avait d'abord prié pour ce problème, avant de faire son choix, et qu'il avait prié soigneusement, au lieu d'être séduit par ce beau regard des femmes, ou par la carrure de cet homme,
Kitoko ya mobali nana sale elenge. Upa toute autre affection charnelle. Tona eloko nyonso ekoki kolingama na ndenge ya bomoto. Regardons d'abord à Dieu et demandons-lui. Tokala nono liboso nzambe pe totuna kaye. En disant, oh Dieu, koloba nzambe. Quel sera ton plan? Oya sali mwango na yo. Et attendons sa réponse. Yako pele yano yako pesa. Qui peut dire amen? Amen. Comme c'est un point délicat, j'aimerais, si vous me permettez, de lire du début jusqu'à la fin. Les signes, si nous avons le temps, on mettra ça sur des brochures. De façon que chacun puisse avoir. Parce que votre destinée éternelle dépend aussi du choix que vous faites. Amen. Sinon vous allez vous retrouver dans le même cas que d'autres se trouvent ce soir. Les sont quittés au cause de la focale à l'ibébi, pas si mon aîné le colla bamoussou ba comme il a pourquoi aller. Si nous examinons de près ce que nous allons faire en nous marions, quand nous choisissons notre femme ou mari. Ce qui est totalement de pembeni malamu pensa. Tant de pona kabiso mobala kobala to mwasi. Si nous étudions cela, ce qui est totalement malamu. L'homme doit prier avec sincérité. Mobali de kobande l'ensemble na botele kamote manyoso. Parce qu'il y a aussi la prière par formalite. Ote sana libande loko sala kate abalobaka na bande la nafuka manalo bakaka boui. Tu es déjà d'accord. Ose on dimano kala. Tu vas prier là-bas, tu ne veux pas que Dieu puisse dire non. Ok, on a compris de la couleur lingui sur son zambale, mais c'est tika moto, on a tika moi c'est la tombe balé en acte. Parce que là qu'on balam. On a des coups à la loupe la balam. Dites amen. Si nous examinons de plus près ce que nous allons faire, en nous marions quand nous choisissons notre femme ou mari. Si nous étudions cela, l'homme doit prier avec sincérité. Car il risque de ruiner sa vie entière. Le mariage est un risque. Dites amen. Amen. C'est la raison pour laquelle si vous voyez un homme, peut-être qu'il a eu beaucoup d'argent dans sa vie. Il a eu beaucoup de bonheur. Mais il n'a rien fait. Peut-être qu'il a eu l'argent, mais il n'a jamais eu une femme. Dites amen. Ne vous moquez pas de cet homme. Ma soeur, tu peux être aujourd'hui en bonne santé. Mon frère, tu peux être aujourd'hui très bien. Mais lorsque tu penses au mariage, sachez que tu penses là entre la ruine ou le bonheur. Je vois que vous me suivez. Surtout pour les jeunes sœurs qui ne sont pas encore dans cette affaire. Pour les frères qui ne sont pas mariés. Sachez que le mariage est un risque. Cela n'est pas donné à un homme de rentrer imprudemment. Mais tant de moins que vous avez prié et réfléchi à ce sujet. Frère Manam dit, je vous invite de croiser votre main sur ma Bible. L'homme devait prier avec sincérité. Car il risque de ruiner sa vie entière. Rappelez-vous que c'est un vœu. Juste.
jusqu'à la fin de votre vie. Et l'homme peut ruiner sa vie entière. S'il fait un mauvais choix. Ou s'il se marie avec une femme qui n'est pas faite pour lui. Qui peut dire amen? Amen. Elle pouvait être une bonne femme si elle était dans la maison d'un tel. Mais quand tu as épousé une femme qui n'est pas faite pour vous, alors vous allez ruiner votre vie. Tu ne peux t'attendre qu'à toi-même. Vous allez me dire, passer à un chemin retour. Il n'y a pas de chemin retour. Il peut dire amen. L'homme qui et l'homme peut ruiner sa vie entière s'il fait un mauvais choix. Ou s'il s'est marié avec une femme qui n'est pas faite pour lui. Bien que le chasson, ça sera sa faute. Si une femme prend pour époux un homme, qu'elle sait être incapable d'être un bon mari, ça sera tant pis pour elle. Ça sera sa propre faute. Ça a beau de s'unir. Elle avait le pour et le contre. Ainsi, vous ne devez pas le faire jusqu'à ce que vous ayez beaucoup. Beaucoup prier. Alors que, on se moque pas de Dieu, hein. Ici, il y a des gens qui se sont déjà partagés. Ah oui, ça n'a. Ils attendent simplement le pasteur prêche, alors moi je tombe dessus. Bazako, c'est la quelqu'un pasteur a raté à Dikamboyo. Non. La sœur n'attend que le pasteur. Mais comment ça, ça attend d'abord si le pasteur prêche ensuite. Sinon, il va nous blâmer. C'est bien. Mais moi, je vais dire la vérité. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Alors, cela, c'est votre affaire. Après 3 jours. L'affection naturelle là va partir. Ce que ce qui est humain a eu de commencement et aura de fin. De tous les deux côtés, ça serait la même chose. Hein? Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Alors, qu'est-ce que vous seriez alors? D'autres ne connaissaient pas ce message. Étant donné, ils ont fait ces erreurs. Mais quand tu as eu le privilège, quand les messages sont être mariés, et tu as la possibilité de bien faire le choix. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Je crois que si beaucoup ici, on leur demandait de repartir dans le sein de sa mère, avec ce qu'il connaît aujourd'hui, alors, il ne devait pas faire ces erreurs-là. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Donc tout cela se retourne contre vous, frère. Où ça? Tondé pour moi aussi. Il est de même pour le choix d'une église. Il est de même pour le choix d'une église. Vous devez prier au sujet de l'église que vous désirez joindre. Rappelez-vous, les églises ont des esprits. Je vais quitter ma église et ça fait un mini mon encou.
Je ne veux pas critiquer. Na lingine tomba ke. Je réalise que je suis un vieux homme. Na sa comment et que l'un de ces jours je quitterai ce monde. Et mon corps, corps, au jour, mon kilo, au jour du jugement, j'aurai à rendre compte de ce que je dis ce soir. Mon corps, ko sambi samba na kote, samba pona makambo na kolo. Ah, pourquoi c'est pas moi qui sera jugé. Ah, on a l'engai motora ko sambi samba tri. C'est William Aron Branham. C'est ça William Aron Branham. Parce que je n'ai que faire répéter ce qu'il a dit. C'est pourquoi je dois être sincère. Si vous allez dans une église, vous rendez compte de son comportement. J'étais un regard sur le pasteur un petit moment. Et vous constaterez que la plupart des temps, l'église agit comme le pasteur. Qui peut dire l'amen? Je vous rappelle. Donc les choix de l'église, c'est pas un bâtiment que vous choisissez. Mais lorsque vous allez à vous laisser se joindre, premièrement, jetez vos regards sur le pasteur. Amen. Je me rendis dans le bureau de cet homme qui se dit chrétien. Je ne sais pas si c'est qui. Mais il doit être ici. Mais chacun qui peut se voir. Qu'est-ce qu'il y a dans sa chambre? Qu'est-ce qu'il y a dans son bureau? Qu'est-ce qu'il y a dans sa maison? Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Alors, quand maintenant, il va faire un tour. Je me rendis dans le bureau de ce homme qui se dit chrétien. Les murs sont couverts de photos de stars. Et la musique du rock and roll continue à jouer. Peu importe son témoignage. Et ce qu'il peut me dire, je ne le crois pas. Quand son esprit se nourrit des choses de ce monde. Je vois que sert, vous voyez. Non. Voyez un peu la documentation de votre ami que vous allez épouser. Par quelle chose son esprit est nourri? Vous saurez ce qu'il est. Je vais vous dire. Que dit ici un jour? S'il se marie avec une chanteuse de chorale, une reine de sexe, ou tout simplement une moderne jolie rekita, il est le reflet. Il dévoile ce qu'il a dans sa pensée. De ce que sera son futur foyer. C'est ainsi qu'elle va élever ses enfants. Parce qu'il l'a épousé pour élever ses enfants. Et quoi qu'elle soit, ça reflète ainsi ce qu'il y a dans cet homme. Un homme qui épouse une telle femme, montre bien ce qu'il pense du futur. Pouvez-vous imaginer qu'un chrétien puisse agir de la sorte? Non, monsieur. Je ne le pense pas. Un véritable chrétien ne regarde pas à ses reines de beauté, à ses filles de chorale, à ses reines de sexe. Il cherchera un caractère chrétien. Où il chercherait un caractère chrétien. Où elle chercherait un caractère chrétien. Dites amen. Parce que si tu vois l'extérieur, tu ruines ta vie. Oko baby sabo moi na yo.
Toto, la chose que tu as suivie là, ça ne sera pas, hein. Après 3 jours, on ne se moque pas de Dieu. Vous êtes libre. Quand il est honorable et convenable pour un homme de choisir une femme et de vivre avec. C'est honorable et convenable. Voyez-vous? Comment on dit? Papa avait 18 ans et maman avait 15 ans lorsque j'étais né. Papa, c'est la canne à Vlasomina Mouambengana qui n'a zomina mère. Papa qui n'a Vlasomina Mouambé. Maman n'a Vlasomina Mitano n'a tangongana Boutamaka. Je suis dans l'histoire de ma vie. La commis Kotalande, ma solo ya bamo ya moussakoud. Simplement des enfants. Quelque pensa dans la cabane. Et nous étions des enfants avec eux. Peut-on dans la cabane à peine à Bangon, c'est la mort. Grandi avec eux. Donc, au colon à Bangon, c'est la mort. Je pense que c'est une bonne chose. La carissette, c'est ça, les camoumalas. Je le pense. La carissi boum. Ma fillette. Moi, non, non, voici. Quand elle sera à n'importe quel âge, et qu'elle trouve un bon chrétien qu'elle veut épouser, je préférerais qu'elle l'épouse, s'installe et soit une dame, afin de faire ça la moisson libale, que d'être dehors dans certaines de ses hôtelleries, au bord de la route, on tient de ses c'est ce qu'ils appellent mener une vie agréable. C'est vrai. Mais la Bible dit que vos filles se marient jeunes. Tu peux dire amen. Elle a maintenant 30 ans. Mais elle ne se marie pas. Il y a quelque chose qui ne va pas avec les parents. Dites amen. Ça tourne vers les parents, s'il vous plaît. Parce que les filles de croyants se marient jeunes. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre expérience. Si vous ne faites pas attention, vous allez verrez se comporter d'une mauvaise manière. Mais ne vous fâchez pas. Dieu vous oblige de prier pour elle. Jamais d'un coup pour sa bande de la panagie. Le Seigneur, elle a grandi. Maintenant, si tu peux envoyer un homme, ça sera une bonne chose. Je sais que tu es donateur de tout don qui est bon. Tu veux dire amen? C'est ce qu'il a fait pour Rebecca. Lorsque ça commençait à sortir des rangs, il a essayé avec la chicotte, ça n'a pas marché. Les munitions, ça n'a pas marché. Il dit, Seigneur, ils sont à toi. Il dit, après quelques temps, alors ce jeune homme, John Smith, j'ai dit, tu peux la prendre. Mais vas-y chercher le Saint-Esprit. Tu peux dire amen? Certaines tournent déjà. Certaines filles. Maintenant, je me propose pas pour que les petits enfants se marient maintenant. Donc, en disant que les filles, leurs filles se marient jeunes, ils ne veulent pas favoriser le mariage des petits enfants. Laissez que votre père et votre mère, qu'ils connaissent
Car ils sont des chrétiens. Ils peuvent vous faire confiance. Qui peut s'abîmer confiance? Tu peux dire amen. Un homme veut te fréquenter. Oui, il veut t'épouser. Et si tu as tu dois faire confiance à tes parents. Confiance à parce qu'ils ont une espérance là-dessus. Il dit, papa, un tel veut ceci, ceci. Et fais-le confiance. Confiance. Et tous peuvent prier pour toi. Je sais pas si vous êtes avec moi. Si vous voyez que c'est un mauvais côté, ceux qui ont mon été salé, ils peuvent me prier, Seigneur, et éloigne ma fille. Benda mwana nanga, moi si mon sika na makambo wana. Et frère Banam, il est découragé le. Moussa Kolobete, l'ongola et posa ya posala na mwana mubali wana. Il n'a pas dit blâme là. Alobite, c'est pas mélayé. Parce que le problème d'amour, c'est pas un problème que quelqu'un se met là. Non, il faut que je puisse aimer frère, il tient vraiment. Non, on ne force pas l'amour. Lorsque ça vient, vous n'allez pas, vous n'allez pas chercher. Simplement comme ça, ça s'est installé. Mais pour se débarrasser, c'est pas aussi facile. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. C'est pas un problème de sympathiser. On ne peut pas prier pour aimer. Seigneur, donne-moi de l'amour. Pour que j'aime sœur un tel et que je puisse l'épouser. Parce qu'il n'y a pas d'amour. Non. Frère Banam l'a conseillé à ceux qui sont déjà mariés. Ici, si vous êtes en train de traverser cette période, c'est à ce moment-là que vous avez besoin de la face du Seigneur. Voyez-vous, faites confiance à vos parents. Faites confiance à vos parents. Faites confiance à votre père. Faites confiance à papa na yo. À votre mère. À maman na yo. À votre tuteur. Na mon baba koli na yo. S'il est chrétien. Faites-le voir, c'est là. Faites aller les camboyans à mon âme. Je crois qu'il sera gentil. Il met à cause à la présence à Boyambi. De te comprendre. Y'a koye ba elokoni nos âmes. Et de comprendre tes sentiments. Mais koye ba nenge ba kosa ne kuki kozala. Parce qu'il y a beaucoup de parents. La vie qu'ils vivent avec leurs enfants, ça ne permet pas aux enfants de poser les problèmes. Je ne crois pas que ça doit être ainsi parmi les foyers chrétiens. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. C'est une mauvaise vie. Et je me retournais, il y avait au fond de la salle un groupe d'adolescents. Je suis de la perfection à la page 44. Il dit, je me retournais, il y avait au fond de la salle un groupe d'adolescents. Un vieux disque du rock and roll sur l'appareil en train de jouer. Quel disque malinga et une jeune dame d'environ 18 ans d'une manière très soignée. Dont son anatomie de femme. Mais elle se tenait là avec sa jupe pendant des vents. Et l'un de ces garçons avec ses mains autour, avec ses mains sur la fille. Là où elle ne devrait pas être. Non, elle a mis ses mains sur la fille, là où elle ne devait pas toucher. Amen. Le
Ce n'était pas l'église. Mais elle se tenait là avec sa jupe pendant des moments. Et l'un de ses garçons avec ses mains sur la fille. Et là où elle ne devait pas être. Et il fumait et buvait. Et je pensais, oh Dieu, comment peux-tu le supporter? Je me demande quel jeune homme peut choisir une telle femme. Peut-être qu'il aimera cette anatomie des femmes qui est soigneuse. Mais vous savez que cet amour, après quelques années, va disparaître. Et ils auront à passer un temps de règne. Dites amen. Amen. Donc tu vois une belle fille. Et ton mon amour aussi qui t'occupe. Et c'est à cause de ce qu'elle est bien bâtie. Mais pendant que tu as salué présence sur ton qui t'occupe. Un jeune homme comme quoi madame dit plus bas ici avec des épaules bien carrées. Dès le moment où l'on a mon sacola, le bâtiment est en gamme, on va lui m'appeler Kaïnino, les autres malamou. Avec un palais bien raffiné. Mais si tu ne vois pas le caractère chrétien. Jusqu'après quelques années. Cet amour va s'envoler. Et vous aurez à passer toute une ruine. Qu'est-ce qu'on appelle ruine? Si on a dit que la ville là devenue les ruines. Donc elle était une très belle ville. Elle était très puissante. Mais au fur des années, il y a eu des choses, les gens quittent. Et les briques là commencent à tomber. Semblant, ça donne simplement l'image. Et si on vous dit que ce que cela était, ça ne ressemble pas ce que vous voyez. Et c'est ce que votre vie sera à la fin. C'est pour cela choisir un homme ou une femme, c'est risqué. Qui peut dire amen? Amen. Je me tiens à la porte. La catalité est passée à ma combattre dans la mine et cookie. Pas la prédication. Les alités à terrorisme sangaï. Je me tiens à la porte. La télémine est cookie. Et je frappe. Pile à sa combattre. Voyez-vous? Mon dans Hébreux chapitre 3. La carte Hébreux chapitre 1. Il dit ceci à la page 112. Il dit, séparez-vous. Ne vous mettez pas sous les jougs avec les incroyants, c'est vrai. Un jeune garçon qui s'est paré avec une certaine jeune fille qui ne croit pas. Qui se marie à une certaine jeune fille qui ne croit pas. Ou une certaine jeune fille qui se marie avec un garçon qui ne croit pas. Ça ne devrait pas se faire. Peu importe combien il est mignon. Ou qu'elle soit mignonne. Ses gros yeux. Qu'elle possède. Ils s'épanouiront tous l'un de ces jours. Mes frères, votre âme vivra pour toujours. Faites attention à ce que vous faites. Elle n'est pas une véritable croyante. Ou lui n'est pas un véritable croyant. Ne vous mettez pas
sous un joug. Comme cela. Éloignez-vous-en. S'agoserez des ennuis le long de votre route. Qui peut dire amen? Donc une sœur, tu vous voyez déjà là légère. Donc comment on a commencé à saluer un amakamoneka waya waya boy? C'est pas parce qu'elle vient ici qu'elle est chrétienne. Mais elle n'est pas là quand elle salue mon Christ. Parce que ici on a trois sortes de croyants. Quand tu as bandi mi basali denge misa. Il y a des incroyants ici. Et ça n'a pas bandi ma bandi ma carte va saluer à ouah. Et toi tu dis mais faux. Quand on a bandi na soyez hein. Tu dis mes frères, c'est frère. Je le bingo bon dans son frère. Et c'est, tu t'es déjà renseigné comme nous l'avons vu. Bongo, tu n'as qu'il bosson d'un gars au mon qui. Renseigne toi-même au diacre. Tu n'as pas de diacre. Ou aux gens qui connaissent ça. La bingo, la fille là n'a pas encore laissé les premiers copains. Moi, non, moi, c'est même si comme quand on est à l'ibosson, tu as calaté. Elle est encore là. Non, non, ça lui a donné un peu de temps. Oh, non, pasteur, si j'ai vu comme cela. Oh, pasteur, on a choqué, non, bon, moi, j'ai la personne pour m'occuper. Ça, non, moi, je pense à l'issue. Si le Seigneur me donne un mari, je vais abandonner cette juge. Donc, il colle, parce qu'il y a un mari, la cotique, à l'isalé, lui. C'est pas vrai. Non, non, putain. Le mariage n'est-il pas le démon? Il va le bon matin, démon. Qui veut dire amen? Le monsieur a encore des copines. Mon mari, non, ça, non, bon, ma kangou. Et il dit, pasteur, si je me marie, quel homme va passer ce qui n'a pas à vraiment, ce serait une délivrance. C'est pas vrai. Demande d'avoir la grâce pour la délivrance. Tout le monde a le bonsoir et le bric ici, n'a rien à limo. Dites amen. Vous allez me dire qu'elle croit. Il croit quoi? Je le mette en dimi, en diminuini. Ou elle croit quoi? Je moi seul en dimi, en diminuini. Vous devez faire très attention. La bongo, que va faire ça? Mais de toute façon, je suis là. Dieu attaque bon gonga na saliawa. Vous dites amen. Je te dis ça, c'est pas structurel. Na kolobana, oh ma comme ensemble le bibo ici. Soko lingi na yo etaliyo. Kenda na yo. Kamata na moi si amokiriwa na. Ça c'est ton problème. Wana etaliyo moko. Mais moi, je dois accomplir le mien. Mais n'est-ce pas, je vois que c'est clair, n'est-ce pas? Vous êtes libre, moi aussi je suis. Donc lorsque tu fais ainsi, moi aussi je viens ici à la chair et je place la chose et je me livre au diable pour que je ne sois pas responsable de ton âme. Et crois-moi. Allez dans un mariage où Dieu t'a rejeté. Et pas ensemble à ça, bon, on a ordonné que le diable s'occupe de toi. Je ne crois pas qu'il y aura de réussite. Qui peut dire amen? Amen. Parce que si j'ai vu ça à cause de cette parole, tu peux amener tous les armées que tu veux. Ou si tu es militaire, tu dis non, je vais aller le tuer. Je vais me tuer. Mais je ne crois pas. Je peux mourir que cela ce qui était. Alors, je n'ai pas à craindre. Tu peux dire amen. Tu peux prendre tous tes projets. Mais fais ce que tu as à faire à un ouin. Mais Dieu va te conserver les cambons, on va pas qu'on a mis ensemble. Amen. Si tu ne fais pas attention, ce qu'on qu'évite, le même iration, toi-même, tu vas le recevoir. Kaka, li fouta nos os, quand il s'y a mokondo, qu'on s'en gona penge na yo. Je ne dis pas pour intimider. La colobate, pour la cobalt. Parce que vous ne servez pas le Seigneur par peur. Pour te dire, vous consolez la colonne à bon monté. Mais vous servez le Seigneur par amour. Je consolez la colonne na bolingo lingué. Mais moi, j'ai déjà vu. Mais d'enga na si na mona. J'ai vu. Na mona. Des frères qui se sont assis. Bande comibali bafandi. Ils disent, aujourd'hui on va aller à la réunion. Mais le but est là, on fait dans l'ensemble.
Frère, toi tu tiens de l'autre porte. Frère, yoko kangisa porte aussi. Et moi je tiens de l'autre porte. Benga na kangisa porte. Je frappe ce petit là. Simbi petit wana. Où était là? Où était Moutou? Alors, je tourne na balouki. Mawa chap, mette ma matambe. Amen. Lorsqu'il est fait mawashi, alors il a glissé son genou contre le ciment et la tête et il s'est esquinté. Qui peut dire amen? Il essaie de faire comme cela sa gonfle. Ah, mais qui consomme la boîte? Mais qu'est-ce que tu te passes, frère? Mais comment frère? Vous comprenez? Amen. Pour être guéri, il faut se repentir. Pour la côté sur les bangues qu'on trouve la mabé. Oh non, tu sais, frère. Oh, tiens, il y a j'étais dans l'excès de colère. La coma qui kande le kakingaï. Alors, c'est pour cela que j'avais prémédité ça. Sinon, on a kanisa ki bongo. Mais pour commencer à croire ça? Mais pas la commande à continuer. Il disait d'abord, les petits les sorciers. Y'a pas le balboso, petit la zolangoki. Frère, qu'est-ce que tu as? Frère, nini boy. Non, le petit est sorcier. Le petit est sorcier. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorcier. Oh, il est sorcier. Demandez le frère Dani. Retournez de Kodani. Il est sorcier. Il est sorcier. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais nini a sali. Moi, innocemment, je vais là-bas. N'gapé na yeba quitter la kera ngakuna. Pour le rendre visite. Voilà qu'en a kotalaï. On a dit, il vient. Arbé. Oh non, mais ne fais pas ranger le sorcier. C'est pourquoi tu seras à Tendok, Yohana. Dites amen. Le bien après s'était révélé. Ben la simémoni samaki. Un jour essayez un peu. Mon colombo comme et comme moi mon cœur. Dites amen. Même simplement en jouant. Attends la kosakana. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Et aujourd'hui, il est pasteur, hein? Et les lames ont encore commis pasteur. Je connais encore un autre. La Yébipem aussi. Qui est toujours pasteur. Azali Kaka pasteur. On parlait ainsi. Jean-Colo Baboué. Frère, voilà ce qu'est la parole. Frère, t'as là l'ilobé, l'obibou, l'obibou, l'obibou. Ah, laisse-la. Ah, tu es un séditeur. Non, c'est mon possible à toi. Oui, frère, j'accepte. Ouais, solande. Mais la parole du Seigneur. Tu veux dire que c'est toi qui lis bien? Non, n'y a pas le bancaire, y'a mon totem, la camarade. Je dis non, mais moi je lis sous l'onction. Y'a le bitin, y'a la cotangawa. Avec les yeux, moi. Alors, tu veux dire? Y'a n'y a pas le toi, c'est pas les yeux, ça. Congo, oh, y'a mis ce terre. Dites amen. J'ai dit, c'est les yeux, frère. Mes amis sont des. Alors, tu veux dire quoi? Il y a le lingo l'obanin. J'ai dit, ah, frère, laisse, hein. Non, bien, ah, frère, tika. Parce que tu commences à déborder. Oh, yo, bah, au bando, les qui s'en moquent. Il a dit, alors. Monte, j'ai dit, non, laisse. La qui s'en, dans le bitet, tika, na oka. Et il a continué à pousser. Mais avant dit qu'on pousse à caca. Ce que j'appelle la sottise. Et la tension montait. Et la chose s'est retournée contre lui. Mais ma cambre balouquerie moko. Amen. Le frère a passé au moins pendant 6 mois. De parler qui s'y trouve sans avoir fini ma bouche. Les mots de tête ont troncé. Les yeux ont gonflé. Ni ce vimba ni. Dites amen. Je vois que frère Philippe connaît. Tant de mettre un déco Philippe en sans coyer pas. Mais il fallait qu'il puisse se répandre. Mais d'abord, quand il était là, qu'on trouve la yango. Dès que j'étais séducteur, après qu'on a acquis mon bébé, il devait se répandre. Il y a un bonga qui a qu'on trouve la yango. Aujourd'hui, il est guéri, hein. Et les gens malades ici, là. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Évitez ce que vous en d'angaï. Dieu est caché, révélé dans la Saint-Christ. Sans d'abord, maman, mon isamakana makambo. Donc, le sorti est pour toi, libre. Et moi aussi, je suis. Ngai pena kosalo ngana lingi kosala. Chacun est libre. C'est pas moi qui t'ai appelé. Celui qui t'a appelé, c'est Jésus-Christ. Oui, bien, c'est Jésus-Christ.
Celui qui m'appelait, c'est lui. Oui, bien il a été sali. Mais il t'appelait, il t'a donné une place, c'est de s'asseoir. Il t'a donné les instructions. Et il m'a donné aussi les instructions. Lorsque tu prêchais là, tu dois dire ceci. Lorsque quelqu'un ne marche pas, dis-le ceci. Si il ne veut pas, voilà là où tu dois t'arrêter. Mais lorsque tu t'arrêtes, fais ça. Je vois que c'est vrai, n'est-ce pas? Mais tu salis solo. Dieu appelle les hommes et les femmes. Ça m'a donné quand même une peine à basse. Il exige une séparation. Maintenant, c'est cela la difficulté avec les églises aujourd'hui. Ils ne veulent pas se séparer des vieux incroyants charnels. C'est le problème aujourd'hui. Tu as cru? Mais tes amis sont toujours les mondains. Mes camarades ne sont pas tombés. Vous êtes toujours ensemble. Quand on y a son binôme, c'est la mort. Vous n'allez pas me mentir. Okoko sangaïté. Je te demande pas de les fuir. Ni de les chasser. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais si votre union est basée sur la communion, de ce qui les sangana binane tongamina bomoko. Lorsque vous êtes ensemble, qui écoute? Na tango bofanda kesika moko nana yoke la kamuninga. C'est eux qui doivent écouter parce que tu as un message. Bangonga bango bato ba bangi ba yoke la pote osana na sango malama kote. Qui peut dire amen? Mais si tu amènes la parole, ils croient, ou eux-mêmes ils vont te fuir. Vous êtes comme cela. Oh, comment? Ah, bon, il dit. Non, ta place est à l'église, on t'attend. Non, on ne parle pas de Dieu. Amen. Ah, là où Dieu n'est pas reçu, je ne suis pas reçu. Comme tu n'es pas Dieu, moi je sors. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Amen. Tu es avec eux et ne croyez pas. Toi aussi, tu ne vas pas dans... Non, il y a quelque part. Yo, ça n'a bango, bango bandimité. Yo, peut-être que ça n'a pas bango. Ah, wana, et là, comment quoi... Peut-être que tu es converti à l'air positif. Ça n'est pas cette lingato kabanana l'autre ti. Nous votons simplement dans ce courant charnel. Et nous disons, oh, Jim, et t'es un type. Oh! Dis, oh, ça l'est, l'ilingi. Oh, Jim, c'est un nom, Jim. Oh, mon bane, oh, Jim. Et un type, s'il boit. S'il boit. Azamoto malamu, soki ameli. S'il, je vais avec lui à la piscine. Oh, toke nakanae kosokolo na piscine. Mais je ne fais pas l'idiot. Mais ngana sala kama kama bozo bati. Et je ne fais pas ce qu'il fait. Ngana sala koya sala. Je vais avec elle à la soirée. Toke nakangala mwasoyo na koena na kango apokwa kosokolo. Ils disent les plaisanteries obscènes. Baloba kama solo. Et le reste, mais je ne dis aucune plaisanterie. Tena mwasiso, mais ngana loba kananga angoti. Lorsqu'il fait les choses du monde, je suis du Puma du côté. Lorsqu'il boit de l'écran, moi, je prends la sucrerie. Sortez du milieu d'eux. Demandez qu'à tu n'as pas un coup. Je ne sais pas si c'est rentré. C'est vrai. Séparez-vous. Ne touchez pas aux choses impures. Et je vous recevrai, dit le Seigneur. Ne vous mettez pas sur le joug avec l'employant. Cela mènera une union illégale en mariage. Ne le faites surtout pas. Séparez-vous.
Et Dieu demandait à Abraham de se séparer de tous ses parents. Et de marcher avec lui. Mais parfois cela signifie de quitter une église. Paul l'a rencontré. Il devait quitter son église. Cela valut à beaucoup. Parfois il est question de quitter le père et la mère. Et d'abandonner tout. Je ne veux pas dire que ça se fait chaque fois, mais quelquefois ça se fait. Ça veut dire que vous devez prendre chaque chose entre vous et Dieu et marcher avec lui seul. Oh, cette douce communion bénie, cette communion que vous avez lorsque vous vous séparez des choses du monde, des croyants. Des croyants charnels qui se moquent de vous, marchez seul avec Christ. Combien de fois ai-je remercié Dieu? Il dit, je vous donnerai des amis, des associés. Lorsque toi tu perds ses amis, parce que Dieu te donnera d'autres. Lorsque je perds une bébé, mais Dieu me donnera une fidèle. Qui peut dire amen? Je ne vous laisserai jamais. Moi que le monde vous tourne le dos, j'irai avec vous jusqu'à la fin de la route. Quel privilège béni à un homme de défiler pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et de se séparer de tous ses associés charnels pour suivre le Seigneur. Et si toute personne ne semble pas se comporter correctement et de se présenter comme des chrétiens mais aime des choses charnelles, il vous est préférable vite de chercher un autre compagnon. C'est vrai, si une personne ne marche pas avec vous, s'il y a un qui a promis de marcher avec vous, c'est le béni Seigneur Jésus. Il marcherait avec vous après que vous vous êtes séparés avec l'incroyant. Beaucoup de gens ont fait des erreurs. Les plus graves erreurs qu'ils ont fait, c'est le mariage. Et il n'est pas permis à un homme de honte imprudemment. Aujourd'hui, vous allez dans les églises. Ils enseignent que le mariage se fait par un homme qui rentre en transe. Alors vous voyez une femme rentrer en scène. Oh merci Seigneur. Oh merci Colo. Ça c'est la pagaille. Dites amen. C'est le genre d'église que le gouvernement ne devait pas laisser exister. Parce que lorsque le foyer est brisé, c'est la nation qui est brisée. Et il y aura la délinquance juvénile. Amen.
Lorsque vous choisissez une femme, remarquez que vous regardez au caractère. Ne vous en faites pas, nous avons tout un lot de types. Les plus souvent, les gens regardent à l'extérieur. Un jour, ils vous me suivez? Amen. Derrière là-bas, vous me suivez? Amen. Un jour, ma kalamaka, il y avait un homme, Zakana Mobali Maka, qui était fils d'un roi. Ouais, Zakamwana Mokozi, mon aîné. Son père était David. Tatanae, Zalaka Dawidi. Il vivait dans la maison du roi. Là aussi, il y avait sa soeur. On appelle à qui n'a qu'un an aïe. Il verra aussi dans la même maison. Akofana pena ndako atatana bangu. La Bible dit un jour, on voyait cette fille passer. Le matin, ma femme, mon amour, ma chère, ma colère, Caliboson a guié. C'était le moment où ils avaient le temps de passer ensemble. Et tu as vu ce matin, va confondre ici comme encore. Mais, Dieu, à un certain moment, le jeune garçon s'est rendu compte qu'après, il était déjà amoureux de ce jeune. La tango moto, moi, elle a mon la monnaie de chasse à l'ingati, quand on a eu la moto, ma pensami. Il est avec quel père? Il y a pas qu'il n'y a pas la liste sautée. Alors il commençait à maigrir. Bien maintenant qu'il te conda. La Bible dit qu'il aimait jusqu'à mourir. Le moment où il y a qui n'a pas couffé. Qu'il aimait tellement. Et tel n'y a qu'il n'y a pas ça. Il était que devant un choix. Il y a ce qui est le bon sol qui a ou l'épouser ou mourir. Ah ben là, il y a toi à couffé. Il était sincère. Il maigrissait. À quoi coconda? Parce qu'il croyait que la jeune fille ne devait pas l'accepter. Ou leur père ne pouvait pas l'accepter. Non, papa n'a pas encore c'était valable. La tangwana a coca koba la canne. Et c'était ainsi. Bien sûr, la kiboye. Alors il est allé fréquenter un mauvais compagnon. Bien qu'on n'est pas un camarade, il m'a encore dit d'aller l'imapé. Il dit, pourquoi tu maigris comme ça? Pour le pour nous, ton copain d'abord. Il dit, moi j'aime telle sœur. Je la m'étais de la ligue sœur au mine. Nous sommes de la même église. Je sais la chute à l'ensemble mort. J'ai même père. J'attends ce moco. Je vois que vous suivez. Un dimanche, vous êtes sur l'anja. Mais il mérite trop. Déjà, vous nous soyez. Mais le type dit, mais non. Mais pourquoi tu vas mourir? Camarade, il a le même nom. Mais pas le lingot qui fait pas ma boule. Prends la voix de la ruse. Kamata, c'est là qu'on bombe à main. Tu vois que c'est le diable, hein? Tu vas te sentir boulou. Il dit, vas-y. Alors, mais Kenda. Dis à ton père. Le malin, papa, là, yo. Et fais le faux malade. Sala, le corps est au lali, n'a pas été malade. Que ta sœur là vient s'en occuper de toi. Et tes canons, on a à cause de ça, yo. Lorsqu'elle viendra dans la maison. Là, voyons, coco, t'en as qu'on a, yo. Et soit venu. La pauvre, ça, c'est pour y aller à la maison. Yo, coco, canada, pour. Donc, coco, ça, la yo, c'est au lieu de la yé. Mais si t'es un coup, ça, malin, on sera bon, go. Je sais pas si vous êtes avec moi. Voilà ce genre d'amour qui brise même la parole. Je ne veux pas dire que vous avez écouté comme vous calilez pas. Alors remarquez. Quel cas? Le jeune homme est allé dire à David. Et le gars m'a dit que vous avez dit à David. David dit non, mais c'est ta soeur. David a le mazakana na yo. Mais alors après de là. Mais alors, ben gaye. Et lorsque la jeune fille est allée, je veux que vous avez dit que s'est occupé de lui. À sal ici. Parce qu'il ressemblait à un malade parce qu'il était. Il avait. A comment tu le connais, mon temps malade, il faut te raconter qui m'ingi. De cet amour, il ne pouvait pas manger. La bolingona, coca, il soukoli à ti. Ok, il y a ça qui est un coup de foudre. Je le connais, mon temps, quand il y a le lien à mon thème. Mais je crois que c'est un faux amour. Donc, il va te rendre ça, mon lingua, le coucha. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fermé la maison. Il a fermé la maison. Il a fermé la maison. Il s'est saisi de la gueule. A kangi, mon amour, c'est un fils dit non. Mon amour, ça le vit. Si tu m'aimes vraiment. Soko, l'inga, pensa. Alors, respecte la parole. Et, pour ça, mon sembalilouba.
Je ne peux pas le faire. Na koko sala angote. Je peux bien te poser. Na koki malamu kobala yo. Mais à condition que. Mais de malamu eti. Toke de pa papa na biso. Il va pas refuser. Akobo ya ti. Tu ne sais pas que il ne va pas refuser. Yo yebe ti akoko boya. Il dit non, je ne sais pas si tu vas sortir, ça sera pour toujours. Yo no bete na yebe ti soko bima oké okimi no libela. Il dit non. Ya le vite. Ne me fais pas ainsi. Il a dit que la fille était vierge. Le remettre moi dans mon sion non na yeba kimibali. Il dit que tu ne peux pas me laisser dans cette infamie. Allez mettre coco tikanga na le kata likambo ya soni monene boy. Parce que c'est l'infamie. Pote ça likambo ya somo. Un homme était mobali. Vous violer une fille. Akanga moi sina makasa. C'est une honte pour la fille. Et ça likambo ya soni pour la mona wa. C'est de sa virginité. Et ta baby sa ki mose kana yi. Ah avant le mariage. Il bosse ta bala. Il accomplit les choses. Je coco ça ma ta mobo se mettre. Na coco la kanga. Ya le vite. Tu vas que je me dis. Mon ni sokira oku na okanda. Bona lingi yo. Qu'est-ce que tu veux que je pousse? Non so lingi te on a pas ça la copain ça prend la balle. Alors il a tenu la fille. Père Kangi moi la moi. Et la violée. Père a babysié. Alors la fille s'est débattée. C'est moi la voix ça va être comme bunda bunda. Elle pleurait et elle est sortie. A collé la paix abîmée. Et la Bible dit. Bible le pire. Après qu'il a commis cet acte. N'a si même pas ça la moi la moi la bonko. La haine est venue dans son cœur. Bon ou non, qui tu n'as pas été manayé. Il a eu cette soeur. Autant qu'il aimait. Et comment tu as commis qu'on y a mon amour sur un homme, mon aime, d'un gars présent qui colline mon amour sur un homme. Et la fille est allée se suicider. Et mon amour, ça qui est à Kéko Boumansout. Et cet homme n'a pas vécu aussi. Et mon temps n'a pas affamé qui n'a pas moité. Absalom l'a tué. Absalom, père Boumaki. Parce que c'était la sœur d'Absalom. Quoi, tu as acquis quand même à maman, quoi, Absalom. Vous voyez? Maman, oui. Parce que l'amour de coup de foudre. Quand vous sommes en ligne, vous voyez, 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 vous voyez. Demandez Seigneur, est-ce que c'est un plan? Tous les écolos, ouais, salut mon bon ailleurs. Seigneur, est-ce que c'est un plan? Ouais, salut mon bon ailleurs. C'est parce que tu t'es proposé que j'irais prendre tel et ça. Et j'allais tellement pas au mokanissa que t'en as au kamata sœur ou dans l'ibal. La sœur dit, j'irais prendre ses frères. De comment ça la binga au kamata frère au malamu? Continuez. Bolanda na pino. On se moque pas de Dieu. Parce que quand ça veut que. Qu'est-ce qu'il dit qu'il t'aime? Quel est le colombe yo? Peut-être qu'il ne ment pas. Tant que ça au consacré. Il est sincère. Ah, le bon abouti, le calamité. Mais ce que tu t'es demandé, c'est l'amour divin. Bon, bon, mais tout le qui choque, ça n'est pas l'ingo ensemble. Et tu remarques que c'est pas la parole? Parce que maman t'a consacré à l'ilobaté. Son comportement envers la chaîne. Et ça l'énerve, t'as bien à mon amour sur un. Tu remarques la manière dont il agit. Au commun, on devient ma cambaba de consacré. Il passerait par la corruption. À quoi les canards copains, c'est bon. Oui, il va commencer à mentir. Non, bande de cocosa. Et il va se plus lorsqu'il est devant la jeune fille. T'as bien à mon amour sur un. Il va se plus la geste. Tu sais. Ben, voyez bien. Oh, frère. Ben, frère. À quoi parle moi chez la sœur? Pourquoi tu gagnes pas sœur? Il est là, oui, sœur. On va se promener ou quoi? Tu as côté à la tonine. Tu peux dire amen? On ne se marie pas parce qu'à la maison il n'y a pas la nourriture. T'as pas la carte pour te rendre à Kobili et salité. Ou parce qu'à la maison il n'y a pas d'habit. T'as pas la carte pour te rendre à. Oh, je vais me marier de la maison de mon mari, certainement j'aurai du père. On a cobalt à ta moussou dans ta mobile n'a rien à coller à malade. Alors tu regretteras ça. Deux collés la pône à un coup. À cause des persécutions, donne-moi un moyen. Voilà, personne dans mon bal. Malam. Mais tonton, le premier qui dit ce n'est pas celui que Dieu a donné. Non, moussou, soit du bonsoir, coyer et salut mobile aux ambas persécutés. Parce que le diable précède toujours. Pour tes hommes, lui en a oué la calibosso. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Amen. Et j'essaie de le dire de tout mon cœur, mon. Mais non, mais que Colombango, le motel, la gagne, on s'en déconangaï. Parce que c'est un risque. Potez-en, l'icam. Un risque. Il t'arrive pas si pensant.
Je vois des frères. On dit maintenant des comobali. Ou sœurs qui ont déjà des enfants qui sont grands. Oh, bah si, bah, coli. Laissez-les. Tika bango. Je crois qu'ils écoutent. On dit maintenant des koyoka. S'ils vivent prudemment, ce n'est plus votre affaire. Bah, comme il y a un bango, il faut répondre à ça, il y a un monayoti. Il va aller rentrer dans un mariage. A que dans ce côté, on arrive à la mort. Dans lequel elle est rentrée prudemment. Oui, à côté, il y a un cali pour aboyer. Ça, c'est son problème. On a un cali. Tu n'as qu'à la vérité, c'est Dieu. Je ne sais pas que tu as bien prié. Oh Dieu. Oh Sam. Et tu sais que Dieu est donateur de tout don partout. Oui, papa. Oui, papa. Oui, maman. Il y a seulement maman. Tu sais que le mariage a beaucoup de problèmes. Oui, bah, tu as dit, il n'y a pas des hommes ou des femmes anges. Et oh oui. Oh oui. Et je crois que demain tu ne viendras pas se plaindre. Oui. Ok. Bon, malamu. Que Dieu te bénisse. Que Zamba Pambola yo. Que Dieu puisse te bénir. Si Zamba Pambola. Alors nous sommes d'accord. Dieu n'a tout l'invité. Dis quand même. Le jour viendra, oh papa. Bon, encore, oh y'a un peu de lève-toi. Tellement. Vas-y chez les pasteurs. Zongé papa. Lorsque tu viendras chez moi, je dis. Quand vous ne croyez pas dans la vie. Qu'est-ce qui se passe? Là, on va dire Kamonine. Tu vois que avant de lui entrer là, tu savais. Hein? Mais aussi je savais. Si je savais pour ceux qui ne connaissaient pas les messages. Mais toi tu connais. Dites amen. Où Dieu te se précipite. Tu saurais que c'est pas Dieu. Parce que vous verrez qu'on n'a pas encore permis. Pas comment le canon va permis. Mais lui, il a déjà posé son affaire. Mais hier, ça, Sali Makambo. Mais quel est cet amour qui contourne la parole, frère? Alors ne ferme pas les yeux à cela, ma soeur. Où mon frère? Parce que c'est la même manière que Dieu nous choisit. Pas que ça ne peut pas vous en battre en cabisse. Je préférerais épouser une femme qui est déjà mariée à Christ. La concept de la cobala, moi, ça, ça balané à Christ. Et que moi-même étant mariée à Christ. Et que même mon copain a balané à Christ. Donc, une femme qui a fait les vœux au Seigneur. Parce que moi, ça, la pinda n'est pas à colo. Vous devez faire les vœux au Seigneur, frère, madame, dit, c'est ici, à l'hôtel. Mais bon, moi, que mon pressenda n'est pas à colo, mon sacolobette, ça, là, n'était la lilo. Sinon, vous n'êtes pas l'épouse de Christ. Donc, il faut, ça, moi, ça, il va là. Que vous soyez prédicateur, diacre aussi. Vous êtes lié à Christ, vous devez faire les vœux les uns les autres. Pourquoi quand on a mon Christ on a bon lingua, bango ma personne en gaie malo ma bolie. Voyez-vous, vous devez le faire. Mon est bango sur la bouche. Il dit ici. Allô bien ouah. Alors après que la décision ait été prise de ce que vous êtes. Mais aussi maintenant au cas où comme on a négocié au salut. Alors viennent les fiançailles avec vous et Christ. Bien au col à canalibal à yon à Christ. Et vous trouvez cela à l'hôtel. Donc on s'en va le tel à l'île. Vous devez prendre un engagement. Avant que cette union ne puisse être possible, il doit y avoir un engagement avec Christ. Afin de dire que tu es l'épouse de Christ, vous devez y avoir un engagement personnel. Ce n'est pas que quelqu'un t'a poussé, mais un engagement personnel. Afin d'être l'épouse de Christ, une promesse formel. Et là, comment qu'on personne n'a dingue écoute. Un engagement, une affaire d'amour. Mon canal, il est en bolingo. Voyez-vous? Bon, oui. Puis la sens suivante. Ce sont les promesses qui sont faites. Il doit y avoir des promesses faites à lui. C'est ainsi que vous faites la promesse. Voyez-vous? C'est ainsi que vous faites la promesse aussi à votre épouse. Chérie, si tu peux, vous pouvez m'épouser. Je promets que je serai loyal. Et fidèle. Je n'aurai aucun regard sur une autre femme. Je regarderai pas d'autres hommes. Et je ferai tout mon devoir en tant que mère. Et je serai la ménagère. Et toutes tes promesses devaient être faites. Ou devaient l'être dans un mariage correct. Et c'est la même chose quand vous venez à Christ. Seigneur, si tu peux me recevoir dans ton royaume, toutes ces promesses, je te promets.
yo. Parce que vous l'aimez. Seigneur, je te promets, je te serai fidèle. Fidèle à qui? Fidèle à la parole. Vous devez promettre à Christ. Parce qu'il est mauvais si vous n'obéissez pas à cela. Seigneur, je te serai fidèle. Je te servirai jour et nuit. Il dit, c'est trop mauvais que nous oublions cela. Je te servirai nuit, jour et nuit. Je gênerai, je prierai, je te serai loyal. Seigneur, je promets que j'apporterai mes dîmes dans la maison du trésor. Je promets, je prierai plusieurs fois par jour. Je ferai n'importe quoi. J'engagerai tout mon amour pour toi. C'est ce que vous devriez faire. Vous devez faire. C'est obligatoire. Tu peux dire amen? Il y a beaucoup de gens, oh non, moi je suis l'épouse de Christ. Mais non, mais comme on dit, 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 imaginez-moi comme ça. Quand c'est le mec à l'issiboï. Lorsqu'il va commettre une faute, il dit, Seigneur, pardonne-moi. Mais tu as péché quand tu es lui, quoi. Un péché ne pêche pas. C'est ta vie. Depuis quand tu es fidèle? Je peux m'en dire, on s'en est ma belle, dit, on tu l'as promis fidélité. Supposons qu'il y a une sœur ici qui va aller commettre fornication. Tout ce que ça la sœur, mon frère, qui est content, mon amour, balé, mon frère. Il dit, pasteur. Alors, bien, il y a un pasteur. Pardonne-moi. L'imbissangaï. Combien d'adultes? Dans la salle et coup. Bien. Yaka. Je vais aller réparer. Yaka, la kobangi sali kambo. Oh non. Oh tiens. Oh, mais vous voyez que c'est une perversion. Mon bonheur, c'est ça, mon boulot, kambaboui. Parce qu'elle n'est pas ma femme, pourtant, ça n'est moi aussi dans Gaïti. Mais en quoi elle doit réparer la chose avec moi? Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Vous devez d'avoir été épouse de Christ. Alors c'est ainsi on peut dire qu'il a péché. Alors il doit l'arranger. La femme de la dépotence est pour lui. Alors les femmes va le laver. Mais tu n'es même pas marié à Christ. Tu ne sais pas ce que signifie marié à Christ. Voilà, il dit de la fête, la femme parfaite. Si vous pouvez aimer une femme, et qu'elle vous aime, et que vous savez qu'elle est bien faite pour faire une épouse, ou il est bien pour faire une épouse, et que vous êtes ensemble, et que vous pouvez sortir ensemble, offrir les deux, mais elle n'est pas encore ta femme. Aussi longtemps que tu ne l'as pas pris. Tu ne l'as pas promis, elle ne t'a pas promis. Un autre homme a le droit de l'épouser. Parce que vous n'êtes qu'en train de faire baptiser. Et puis voilà, il dit, nombreux dans l'église sympathisent avec la parole. Ils aiment la parole. Et la parole les aime. Ils sont d'accord avec la parole. Et il faut tous les sacrifices pour la parole. Et Dieu leur aide. Mais jusqu'à là, il n'y a pas union. Jusqu'à là, il n'y a pas mariage. Pour qu'il y ait mariage, vous devez monter à l'hôtel. Vous devez monter à l'hôtel. Seigneur, je promets. Je te servirai. Je te serai fidèle. Je te promets que je te servirai. Je prierai plus. Plusieurs fois par jour, je gênerai, j'apporterai mes dîmes de la maison du trésor. Tu promettais cela à Dieu. Alors garde à toi. Si tu as promis et que tu ne l'as pas fait, car l'éternel Dieu ne laissera pas impuni celui qui prend son nom en vain. C'est très mauvais. Si tu n'es pas apte de se marier avec Christ, ne viens pas.
Oui, parce que tu as un droit aussi de faire un choix. Ya solo, porte yo sana yo posa to pona. Christ t'aime, oui. Christ olingyo ya solo. Il te promet qu'il te sauvera. Alors qu'est-ce que kobiki ça? Il fera ceci pour toi. Il va te guérir. Il te désire va l'accomplir. Apostle le nom soya kokoki. Qu'il est un homme valable. Qu'il est mort pour toi. Il a donné tout cela. Mais tu n'es pas devenu sa femme. Aussi longtemps que tu ne l'acceptes pas. Mais si tu l'acceptes, tu dois le promettre. C'est comme j'ai dit à une femme. Qui sont ceux qui n'ont le bien à moi si mon corps? On a l'ingio, la lakio, la kobalagio, la kosabu. Oui, moi aussi. Moi, moi, ça le bien, un gars, la lingio. Vos pindaya libala wana. Je t'aime, je t'aime, je vais te marier. La lingio, la kobalagio. Alors, est-ce que c'est un jeu? On a sa lingai. Frère, ma mère me dit quelque part ici. Parce que l'on est sur mon corps. Je vais te marier. Quand l'on va te faire la cobala, je serai avec toi. Fais la cosa, va la yo. Parce que l'on va te quino tango nin. Parce que si vous dites que je vais te marier. Parce que l'on va te faire la cobala, je dis oui, d'accord. Mais tu peux dire encore ici. Parce que l'on va te faire la cobala, yo. Parce que le vœu ici n'est pas défini. Parce que l'on va te faire la cobala, yo. Parce que l'on va te Tu peux dire amen? Amen. Tu peux ajouter une autre. Yo, pourquoi, bah, mais tu ne peux pas réparer, tu vas aller réparer quoi? Bon, tu as péché contre quoi? Parce que lorsqu'un homme, pour que tango mou parle, on a adulté, va aller arranger à sa femme, parce qu'elle a vécu contrairement à sa promesse ou à son vœu de mariage. À son vœu de mariage qui a dit qu'il réunit tous les autres. S'attacher seulement à elle. Lorsqu'elle brise cela, elle est maintenant pour réparer. J'ai failli. Allons-y à Roche. C'est parce qu'elle est liée. Elle veut qu'elle a fait. C'est aussi longtemps que la vie est dans mon corps. Toi, tu es l'unique. L'unique femme. C'est la même chose. C'est dit que lorsqu'elle fait ailleurs, alors elle devient une vie d'adultère. Alors elle vient pour réparer. Mais tu as dit, je vais te marier. Oui. Alors le vœu était quoi? Vous pouvez prendre les enfants, oui. Mais le mariage est fécond. Mais le mariage est fécond. Même si vous êtes, vous vivez 60 ans. Vous n'êtes qu'en train d'élever ses enfants. Vous savez, vous dites amen. Amen. Dites amen. Amen. Dites amen. Amen. Christ nous choisit. Christ upon abiso. Mais nous aussi nous devons le choisir. Nous devons le choisir. Nous devons le choisir. Je préfère rater la vie ici. Madame, on a sanga bon moyen mokiroyo. Je sois un raté. Là, ça la moto à sanguignons. Et que je rate mon mariage. Et que na libala kunana sanga. Je vis malheureusement. Na obi kana mawa. Je rate le boulot. Na sangi mosala. Je rate la bonne santé. Na sangi zoko bonya. Je rate tout. Na sanguignons. Mais pas rater Christ. Mais quand tu consanga Christ au tri. Parce que je suis un mortel. Si ceci demain, ça sera mon tour. Un jour, vous ne vous en faites pas. La voix qui vous parle aujourd'hui, le jugement commence par la maison de Dieu. Mais un jour, lorsque ça vous parlera, alors ça sera une voix de larmes. Mais mon gongo a collé la namawati. Vous savez tous que nous sommes devant le trône blanc. Le choix d'une épouse. Et les hommes devaient regarder au caractère. Et les hommes devaient regarder au caractère. Devaient voir certainement. Sinon tu auras une femme. Elle se met à courir avec d'autres hommes. Et elle devient une malédiction. Tu commences à pleurer. Tu ne peux t'apprendre qu'à toi-même. Et au côté de mon cas, c'est encore où tu commences à pleurer. Les frères sont toujours avec les femmes et tout cela.
C'est ton affaire. Parce que tu as tout le temps. Tu es déjà convaincu que la sœur là c'est ma femme. Tu n'as pas prié. Ce frère là c'est mon mari. Lorsque tu vois une autre sœur aller là-bas, tu deviens agité là. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un démon. C'est un démon. J'ai demandé à Dieu si c'est son plan. Alors, il y a une voix dans l'église de laquelle Dieu parle officiellement. Puisque les dons, c'est le pasteur. Le même dit, l'ange derrière la chair est plus puissant que l'ange qui descend en haut. Et l'ange qui descend du ciel, c'est Christ. Et derrière la chair, pasteur. Mais cet amour là est rentré pour la sœur. Tu as consulté le pasteur? Bolingo est côté de ton sœur Wana. Otuna qui pasteur. Et la sœur aussi, oui, ça doit être Dieu. De comment Dieu, depuis quand tu as demandé? Une fille correcte dira, pasteur, je commence à s'amouracher à ce frère. Moi, c'est à bosser ma colombe, tu es pasteur, tu as un abandon de colinga frère. Je ne sais pas pourquoi. Voilà ce qui se passe. Tu as un abandon de colinga. Parce qu'elle ne veut pas être dans l'erreur. Si c'est un démon, prie pour moi. Donc, c'est un démon, bon de la panangaï. Qui peut dire amen? Mais donc, garde ça pour eux. Bah, monsieur, non, bon, bien, go, pon, aïe, mon co. Il est en train de prier, Seigneur, qu'il puisse venir. Ah, ça, qu'on bande à quoi, tu caille, aïe, tinda, aïe, tinda, aïe, tinda, aïe, tinda, aïe, tinda, aïe, je t'aime, hein. Il est aussi, non, pas la lingue, yo. Je crois qu'on doit aller voir le pasteur pour qu'on puisse se marier. L'indimètre, c'est toi qui l'a retenu à la pasteur. Vous voyez que la femme est, il y a quelque chose qui ne va pas. Comment tu as, voilà, ma camamabe, yali. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Oh non, pasteur, on s'était connu dans le monde. Oh, tu es pasteur, tu es un peu comme maintenant, on est venu dans le message. Si tu es un peu comme ça, tu es alors ensuite, ben asima. Ça veut dire quoi? Et l'ingo l'obanini. Oh, on ne veut pas vivre copain-copine comme on le faisait dans la dénomination. Oh, tu l'ingi tofan dans le colo makango, n'engue toi qui n'a l'ingomba mokilite. Maintenant, on veut se marier. Si quoi, tu l'ingi tobalan. Mais qui vous a dit que c'est Dieu? Non, non, le bila mine te salin sampe. Depuis quand la corruption est devenue la parole? Banda tango nini li bébé, comment li loba? Qui peut dire amen? Le commencement c'était la magouille. Les bandelés, la kanda et ma kamako waya waya. Et à la fin ça doit être la parole. Mais non, comment l'iloba, ndengenin. Qui peut dire amen? Amen. Il faut rentrer en ligne. Et bon, kota na molongo bosembo. Pour marcher ou pas. Pour nakotambo la malamu. Et quel est cet amour? Le groupe bolingoana. Frère Madame dit, tout amour qui est en dehors de la parole, c'est l'amour du sexe. Dites amen. Amen. Il dit, le monsieur est oué par un esprit de prostitution. Ou la fille est oué par un esprit de prostitution. C'est un démon. C'est un démon. Dites amen. Quel est cet amour? C'est l'amour du serpent avec Ève. Ils ont des bolingo à nyoka yena Eva. Parce que le serpent dit à Ève. Pas nyoka le bakana Eva boy. Dieu sait. Ça va yébi. Que si vous touchez à ces tables qui sont au centre. Et tes socos si mis étaient en azan à katikati en zoto. Au centre de ces gens-là. La katikati l'angoyu. Le frère Banani dit, il s'est mis. Vous savez, il était abandaki. A éveillé en elle la conscience de la sexualité. Pour la moussa, au cas de moi, si on a ma fausse, il y avait à l'issanga, moi, si on a mon val. Elle est ainsi, elle devient sexuelle. Et pour y'a, comment qui bongo, n'a ma fausse, c'est pour ça que le frère Banani dit,
Vous, sœurs, n'embrassez jamais un homme avec vos lèvres. Parce que potentiellement c'est l'acte sexuel. Comme on avait dit, l'adultère est maintenant public et comme cela se faisait au temps de Amos. Ils y voyaient dans vos écrans. Ils sont en train de s'embrasser. Oh non, c'est la civilisation. Quelle civilisation? Frère, on a dit les glandes sexuelles sont dans les lèvres. Il dit partout se trouvent les glandes sexuelles. Lorsque le mâle et le femelle se rencontrent, c'est toujours l'acte sexuel. Qui peut dire amen? Amen. Et aujourd'hui, ça se cache sous forme de civilisation. Et tu vois là, la prostitution. Kindumba. Dites amen. Et le sexe est vu dans la maison. Le sexe. Ah. La vie entre... les parents, la vie sexuelle entre les parents. Potentiellement, lorsque tu embrasses ton père avec les lèvres, mais vous commettez l'acte sexuel. Ton frère ou un ami, ou qui que ce soit de l'école, ou l'époux de ton mari, de ton ami. Et vous voyez la femme, elle, là. Comment on a moins ça, ça l'air, là. La femme, elle, mais c'est bien. Elle pourquoi un homme n'embrasse pas l'autre homme avec les lèvres? Qui peut dire amen? Amen. C'est l'adultère. C'est la fornication. Dites amen. Qui est forme de la civilisation? Tu laisses un homme te passer la main sur la taille. Ah, ce n'est rien. Il est passé la main ici. Ah, tu sais. Ah, oui, je t'aime bien. On attend que le pasteur nous marie. C'est la carte apparence. Pasteur à balle, il s'abisse au pénis. Oh, dis. Fouillez la femme. Qui m'a moi aussi? Qui peut dire amen? Amen. Parce qu'elle est une chose fragile. Vous n'allez pas condamner la femme. Vous allez même dire blâmer plutôt l'homme. Amen. Amen. Parce que la femme facilement peut être séduite. Mais l'homme. Et voilà la condition dans laquelle les gens se trouvent. Mais sache que si vous contournez Dieu, c'est fini pour vous. Et je vous dis, si vous contournez Dieu, c'est votre affaire. Amen. Amen. On ne regarde pas la beauté. Qu'est-ce que tu as aimé? Et là, qu'on y nous linga qui? Oh pasteur, moi j'aime cette fille. Oh pasteur, ma ligne, moi dans mon cœur, c'est le diable, c'est le péché. Comment tu l'aimes sans la connaître? Bien nos lignes, oh yébi en anoté. Tu connais ses fonds? Oh yébi ndenge sali na sa moté manaye. Tu connais sa famille? Oh yébi liboté na ndenge salaka. Son comportement, tu connais? Qui t'a dit que lorsqu'il est gentil avec toi, là, ça signifie l'amour? Parce qu'elle dit, oh frère, je t'aime. Tu sais ce qu'elle est? Oh, je l'aime. Tu l'aimes comment? Frère, nous a dit, avant d'aimer une fille, vous devez d'abord se renseigner. De quel était à son nom? De quelle famille il vient? Quel est le genre de caractère de leur famille? Parce que vous saviez que vous allez faire les enfants avec cette famille. Et l'hérédité va agir. Qui peut dire amen? Amen.
Faites attention. Peut-être après le mariage. Au moins, je pense que c'est toi que je vais épouser. Mais est-ce que vous avez fait déjà les visites? Bon, aussi, bon, ça n'est pas visite dans l'hôpital. Il n'y aura pas de mariage ici. Libale pour qui consalawati. Si vous m'amenez pas les visites. Soko meminga ba visite bo saliti. Papa, votre médecin, pas mon médecin. Na dokotolo na bino tembe na dokotolo yangai. Dites amen. Le bilan entier de santé. Njoba ko sosolan soto mo fimpa. Le nombre de dents enlevées. Mino boya la carie dentaire. Soko sa na carie dentaire. Ou peut-être la femme est drépano ou le monsieur. Ou peut-être qu'il a le sida. Tout ça là. Nyoso anna. Dites amen. Peut-être que le monsieur est plein ou la femme est plein de maladies vénériennes. Non, monsieur Mobali, tu vois, c'est un atout, non, non, ma connie, y a bassin dans mi ban. Peut-être qu'elle a déjà avorté et tout cela, on a gratté la matrice, elle ne peut plus mettre au monde. Assez à l'aura, à sopa, ma zemi, ma cocola, et ma enda, comme ma bota, cocalissou, comme bota, si. Qui peut dire amen? On serait bien de vérifier ça, bon Dieu. Je vois que vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Ah. Ah. Papa, votre médecin. N'a donc pas qu'on en a opté. Parce que tu peux avoir des arrangements. Dites amen. Amen. Alors tu feras mieux, hein, sœur, de commencer à fuir, hein. De malamu ne pas n'ande comme moi si, ben dans autre kimia, ou frère de commencer à fuir. Ton frère banane au kima. Et tu es libre. Ben t'as lié. Nous viendrons te voir. Si tes raisons ne sont pas celles de la parole, nous te livrons bien. Tu vois que c'est la vérité? C'est-à-dire, nous appelons les démons par leur nom. Je dis, je te donne cette proie. Nyama yango olia. Fais comme tu veux. Sala yendenge olingi. Il est en dehors de ma protection. Ah, comme il banda libate linangai. Dites amen. Amen. Là, on verra si toi-même tu es ton propre pasteur. Bon, il n'y a pas de problème. Voilà, tu commandes. Soit qui yomoko zali pasteur na yomoko. Wana li kambo zali te. Juste à ce que tu reviennes au rempart. Kine to zonga na ko benda libumunase. Tu réserves nos remparts. Et c'est la seule solution. On parle, on n'écoute pas, on parle, on n'écoute pas. Alors laissez la personne. Sinon, ça deviendra comme si vous êtes en train de le nuire. Alors qu'il est libre. Il est venu avec ses deux pieds. Alors, vous aussi appliquez la parole. Amen. Amen. Donc vous êtes libre de vivre dans le péché. Libre. Même ne n'est pas fui. De marcher librement avec ta copine. Boni pasto. Parce que j'ai salué les mondes avec les cigarettes. Il n'y a pas de problème. Et ça, les moi aussi, je te dirais, c'est mal. D'après la colonne, les hommes à Bende Konanga. Voilà. Tu ne foutes pas. Yoko, yokate. Dans le vie malade. Commençons par faire les pas de choses. Tu vois, que tu es libre. Tu vois que tu es libre. Tu vois que tu es libre. Malamou, là, non, si je suis. Comme je ne vais pas imposer ta position. Mais toi aussi, ne viens pas imposer. Je peux pas imposer ma colonne. Qui peut dire amen? Oh, tu vas aller dire oh, à tes parents, le pasteur a peut me tuer. Ok, non, 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 sinon, pasteur, on a l'ingabo, mon gars. Il a demandé aux démons, mais il m'a maudit. Allez, la barre, la barre, la je meurs, je vais me tuer. L'intimidation, je connais cette arme-là. Kobangi, ça, n'a pas vu mon dos qui en a dingue, ça. Je ne crois pas qu'un homme peut m'intimider. Mais c'est moi plutôt qui peut intimider un homme.
Parce que mon intimidation est vraie. Faut que Kobangi Samanangé Sari à solo. Dites amen. Si je prononce la parole, okay. Ça va arriver. Donc il a le bini le bail. Et je sais comment faire. Mais là, il y a une dernière minute. Pourtant, c'est timide celui-ci. Oh, mais s'il s'agit par la chair, moi aussi je peux t'avoir. Mais ce qui peut être à l'inga pena coco joyo. C'est pas facile. Et ça, je te dis, c'est pas facile. Là, il y a et ça passe. À moins que, Dieu te l'ait donné le droit. Ma passion, c'est là, Anna. Ah là? Ah, Anna. Qu'il soit loué. Si que t'as commis ça. Alors là, j'ai préféré. De faire ce droit-là. Mais sinon, tu n'as aucun droit. Beaucoup de gens ont peur. Batomigi babanga. Ils croient qu'un homme a un droit sur l'autre. Akani sete moto akoko sala di kamori kola moni. Moi pour moi je crois que quelque chose peut m'arriver. Alors que koye langai. Je ne donnerai pas faute à la personne. Donc, je crois que Dieu avait voulu que cela arrive. Dites amen. Il avait arrangé les circonstances. Oui. Parce qu'après tout, il n'y a pas d'innocent, hein. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Amen. Même Christ n'était pas innocent. Christ, il est mort parce qu'il était coupable. Vous dites amen? Amen. Il en meurt en pécheur. Et péché. Il est mort étant que malédiction. Il devait être malédiction. Et péché et pécheur. Vous les croyez? Parce que si vous les gardez saints. Parce que ce côté qui est comme santo. Mais tu es pécheur. Parce que tu ne peux, vous ne pouvez pas faire l'échange des habits et toi avoir encore les mêmes habits. La différence avec Christ, c'est qu'il n'a pas péché comme cela. Ok, c'est lui-même Christ, ça n'est pas ta salle à l'issue, vous pensez à vous été. Mais peu importe ce qu'il a pris. Et tu as qu'à connaître une ya salle à qui. Mais, à la fin, il était pécheur. Y'a la souffrance à salle mon soumouki. Dites amen. La Bible dit Dieu l'a frappé. Bien là-bas, t'es ensemble à bêta qui est. Vous voyez que Dieu l'a frappé parce qu'il était innocent. Moïse, c'est qui était dans la brèche. Moi, ça me voit qui dans celle-là. Il dit, Seigneur, tue-moi. Alors, mais quand on va manger les bossos. À la place de ce peuple. Je ne vais pas les voir mourir. La ligne de mon abandon va couper dans le sol. Bon, manger les bossos. Moïse. Ça va le vite, Moïse. Je ne tuerai pas l'innocent à la place de. N'a pas bon, ma moto. Sanga ma belle, les bossos. N'est-ce pas, ma belle. Moto, soumou qui est bossos, n'a pas de bossos, n'a pas de bossos. Qui peut dire amen? Amen! Mais comment le même Dieu qui a refusé avec Moïse va tuer Christ. Mais nous connaissons que le septième son nous a fait connaître. Mais que l'humanité ne connaît pas. C'est que la conséquence de la manifestation du Fils. C'est cela qui a mené les ténèbres. Il fallait que la lumière va se cacher. Dans la parole, c'est ce qui a créé les hommes. Oui, c'était lui. Pour accomplir les actions rédemptrices qui étaient en lui. C'est pour cela qu'il a permis que nous tombons. C'était le commun accord. Il a dit, quand vous prenez les morceaux de papier, dans le temps, comme vous dégénérez avec vous, afin que vous tombiez et que Dieu vous donne ce que vous manque. Qui veut dire amen? Alors qui est coupable? Ça va, là, midi? Donc vous devez naître de nouveau. Il dit cela intriguait toujours les gens. Lorsque je disais cela, que le serpent représente Christ. Ça intrigue toujours les gens. Parce qu'ils ne comprennent pas le mystère de l'incrédulité. Que le Seigneur vous bénisse. Lève-nous.
De nous. Pour faire ta volonté, comme l'époux a accompli tous les types de l'Ancien Testament, alors le reste doit être accompli par l'épouse. Le livre entier, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Pendant Genèse qui n'a Apocalypse. La Bible vivante. Biblia na bomoy. Portant le type d'Adam. Oye zelate lilingi Adam. Jusqu'à de la réalité de ce jour. Kino ya solo ya mikola leloy. En passant par Abraham. Apoleka na zela balayama. Jacob. Jacobi. Isaac et Joseph. Isaac et Joseph. Moïse. Mose. Esaïe. Esaïe. Et tous les autres. Et pas aussi sur base. Jusqu'à Jean-Baptiste. Kino Yohane Baptiste. Paul jusqu'à Branham. Paul au Kino Branham. Tout inscrit. Nyose Komami. Pour faire cette pyramide. Pana Kotonga pyramide. Malachi 4, c'est la foi. Malachi Amine, ça l'inde continue. Il devait ramener la foi. Alors que nous sommes bâtis sur la foi des prophètes et des apôtres. Merci Seigneur. Merci, parce que tu as fait de lui, de ce prophète messager, l'accomplissant de toute la Bible. Seigneur, comme ton prophète l'a dit, le rouleau entier de la foi jusqu'à l'amour, l'amour qui surpasse toute connaissance, mariage et divorce, la vraie prédestination, la postérité du serpent. Oh Dieu, tout a été connu à l'épouse parole élue, manifestant Elohim dans les seize éléments de ton épouse. Merci pour cette divinité dans laquelle les anges au ciel, Seigneur, ont perdu. Mais que maintenant, Seigneur, elle doit être connue aujourd'hui par l'Église. Parce que cette divinité est dans le cœur des croyants. Croyant que toi tu t'adresses à ta divinité. Car l'homme charnel ne comprend rien. Seigneur, laisse que cela perde. Va jusqu'à la septième dimension. Et rentrer dans le cœur et produire la vie. Laisse qu'il en soit ainsi. Bénis les dîmes, les offrandes. Bénis tous les programmes de travaux. Bénis ceux qui sont motivés pour cela, Seigneur. Oh Dieu, bénis ceux qui prennent ton œuvre à cœur. Aide ceux qui négligent encore. Bénis les dîmes et les offrandes. Bénis toutes choses. Accompagne tes enfants. Si telle est ta volonté. Dimanche, donne-nous encore une réunion dans laquelle nous rentrerons dans la douceur de ton amour. Dans les parfaits noms du Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.